Yo, bon, on va rester comme ça pour le moment. J'ai pas de bouclier. Non, on n'a pas de bouclier là. Alors, je suis tenté d'aller chercher la masse en premier. C'est par là, je crois. Aller chercher le forgeron pour aller prendre la masse. Pour lui acheter la masse. J'ai pas regardé la durabilité par contre. 58, 60 quoi. 60 ça devrait aller. On sait jamais hein. J'ai tellement failli me foirer. Alors lui, le contourner. De toute façon, on retourne en arrière. J'ai oublié d'aller chercher, de parler à l'Hérald. Et du coup, je n'ai pas de fiole d'Estus, la Brutix. Abruti, abruti. Alors j'aurais pu aller jusqu'au feu, certes. Ouais, non, en fait, on va faire ça parce que sinon, oui, non, ça va être. Vu qu'on peut se vu que dans celui-là, on peut se téléporter à tous les feux. Ah ouais, bah j'ai pas réussi à. J'avais pas moyen de faire un jaune qui me plaise sans être. Sans que ça soit un pas flash en fait. Non, il ne pourchasse pas l'autre. J'ai dépassé le feu, comme un sac. Décédé, s'il vous plaît. Je voudrais juste. Alors, s'il vous plaît, je voudrais juste mes fioles d'Estus. Je pense que c'est pas trop demandé. Du coup, je disais, ouais, je vais aller voir le forgeron, récupérer la clé du forgeron en premier, pour lui acheter la masse. Non, non, mais oui, justement. Ah! J'ai déjà dû récupérer le fragment. Non, parce que de toute façon, bah, on n'ira pas jusqu'à la double masse. Hein. On fera le build, ça sera avec Greatsword, hein, de toute façon. Ok, alors j'ai déjà dû le récupérer, mais c'est juste que je m'en suis pas équipé. Ouais, c'est ça. Comment ça, une? Comment ça, une? Ah d'accord. Elle m'a répété son dialogue, mais elle me l'avait pas. Ok. De toute façon, le but, ça sera avec Greatsword et double Greatsword, donc. Non, mais je sais pas. Elle m'a répété son dialogue. Tu sais, elle m'a répété son dialogue, son premier dialogue, mais alors que bon, c'est alors que bah oui, j'avais le shard. Hein, mais j'avais oublié qu'elle faisait ça, qu'il fallait vraiment lui reparler plusieurs fois, même si elle se répétait. Qui est débile. Mais bon. Voilà. Donc. Hello!
Bon alors l'autre il a l'air de s'en foutre de notre gueule donc... Bon l'épée ça reste quand même intéressant. Le chevalier dans celui-là il est plus intéressant que dans le premier. Aïe! Ouh, t'as la tête! Ouais, histoire de pas se faire... Bon, je pensais qu'on m'attaquerait dans le dos, mais non. Alors, par contre, j'ai pas de bouclier. Je suis pas confiant. Je suis pas rassuré. Alors là, on va juste tracer. Ou alors... Alors, c'est peut-être un truc qui est bien dans ce que là, dans cette version là, c'est que dans cette zone, les mecs t'agressent pas tant que t'es pas à côté d'eux. De toute façon, je ça doit pas être des trucs très énormes donc alors toi, je sais pas d'où tu sors. Mais tu restes pas, tu ne restes pas longtemps. Ok. Allez, j'ai de la puce quand même avec mon armure de merde. Hein. On va éviter de gaspiller les gemmes. Une bombe incendiaire, si tu veux. Voilà. Ah, il est là-bas, lui. D'accord. J'ai l'impression que les ennemis font moins mal. Je me disais aussi. Alors, du coup, j'ai pas vu un objet tout à l'heure, non? Non, je croyais. Bon. Comme ça, on va parler à la vieille, comme ça, en plus, ça sera... Elle pourra, dès qu'on aura battu le dernier géant, elle reviendra à Majula. C'est noir? Alors, on veut la clé de Lenigrast. Oui. Je pense qu'il manque un peu d'âme pour récupérer, pour acheter la masse. Non, mais oui, le pop-up noir. Ah voilà, il est temps de plier bagages. Oui, oui, merci de me le rappeler, parce que du coup, oui, oui, j'allais oublier. Alors, on se réinitialise tout ça. Tac, 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 tac. Alors, faire gaffe à tous les pièges à la con. Ah oui, c'est vrai. Waouh, on voit rien. Ah merde! Waouh, on voit rien! What? Attends. Alors c'est peut-être voulu, mais non. Ça se passe pas comme ça chez McDonald's. Ouais, ça a été assez rapide quand même, hein.
Oui, je crois que tu m'en avais parlé que justement ils avaient assombri les zones qui étaient censées être sombres. Pour justement que la torche ait vraiment une utilité cette fois. Ah, un petit bouclier. C'est cool. Il est dégueu. J'aime pas ce genre de petit bouclier, je trouve que ça est ridicule sur le perso. Mais il n'y a pas d'ennemis ici. Avant, il y en avait. Non, il n'y a pas un truc? Ah! Je m'en suis douté. Ouais, j'ai eu ça en armure qui est beaucoup moins stylée que la mienne. Ouais, la petite stéatite qu'on n'utilisera jamais parce que bah les couilles quand même. Bénédiction divine. C'était pas ça avant, si je dis pas de conneries. On retourne à Majula, on va ouvrir la porte de Lénigraste. Je crois que ça coûtait plus cher la torche dans mes souvenirs, mais je dis peut-être des bêtises. Ça se trouve c'est que 200. Oui, c'est ce qui me semblait, oui. Et c'est ce qui me semblait. Donc. Ah mais attends, j'ai des âmes à dépenser, donc au pire. De quoi la torche? J'ai dit. Je disais, oui, autant que faire se peut, on le gardera pour le dépotoir. What? Ah oui, je me disais. Ah oui, non, je me disais, il l'a pas. 1200? What? Non, la masse, je me suis mélangé. Ah ouais, mais Ah, il manque rien, bordel. Bon, on va aller à la tour de Aid, le premier on va tuer le premier géant, ça sera sûrement suffisant. De toute façon, c'est là où on veut aller. De toute façon. Je préfère avoir la masse pour les faire parce que bah ça va leur faire plus de dégâts quoi. Est-ce que j'ai assez pour la porter par contre la masse? Je crois qu'il me faudra un niveau. Merde, c'est pas ici. Non, c'est pas ici. Quoique si, mais faut passer par là. Ouf. Faut que ça revienne hein, les souvenirs, hein, parce que là j'ai pas tous les souvenirs en tête. La dernière fois que j'ai joué aux deux, ça commence à dater. Et je l'ai moins fait que les autres. Y'a tête, tête, tête. Ah, ça c'est. Ouais, non, mais je crois que dans le scolaire, justement, ils ont fait que même les coffres en métal pouvaient éventuellement être des mimiques. Si je dis pas de conneries. Ce qui est totalement possible. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, quoi qu'il arrive, c'est la même résistance. C'est légèrement plus lourd, mais. Ouais, mais il y en a qu'une alors, parce que je crois que je me souviens pas l'avoir déjà rencontré. Mais si je me souviens bien de ce que j'avais pu lire ou ce que tu avais pu me dire, je crois qu'ils en ont ajouté. Épée de voleur, le truc qui sert à rien quoi. Alors, les messieurs là, on va pas les déranger, hein, ils sont balèzes. Ils sont balèzes et à notre niveau de jeu, ça risque d'être un peu coton. Boum.
Donc on retourne à Majula pour prendre la masse, et du coup là on va être un peu plus tranquille. Si je peux, je vais pas me gêner pour garder l'épée aussi quand même, pour le moment. Si je peux, si j'ai... comment dire... si ma charge d'équipement me le permet. Parce que disons, entre les ennemis qui sont sensibles aux frappes et aux tranchants... Wow, calme. La masse. La masse. Ouais, non, c'est ça. La masse. Ouh. Et là, un mimique dans la maison de marchand. Ah. Un arc. Oh, le jeu te donne un arc quand même. Est-ce que j'ai le droit de porter les deux? J'ai l'impression que oui. Oui. Mace Windu is back. Ah, je me sens bien avec la masse. Du coup, je peux pas faire de level. Alors notre but, ça va être de buter le dragon qui est en haut de la tour. Parce que déjà, il gêne. Et de deux... Bah, je peux la porter à deux mains, en fait. Oh putain, les dégâts, c'est pas les mêmes, hein. Ah ouais, putain, c'est pas les mêmes. Le 2, il n'y a pas eu de retouches graphiques vraiment, mais il reste beau, ouais, c'est clair. Alors. Meurs. Il ne donne plus ça derrière. Ouais, voilà, ils ont un peu retouché éventuellement l'éclairage. Alors, faut se rappeler que j'ai ajusté l'éclairage, enfin la luminosité, parce que bon. Alors, je les bute surtout pour être tranquille en fait. Alors, on n'activera pas ça. Donc ouais, c'est monsieur là-bas qu'on va aller voir. D'ailleurs, il y a des chances pour que je le fasse à l'épée parce que... dis-moi si je me trompe, mais il me semble que les dragons sont plus sensibles à la taille. Enfin, aux attaques de taille. De taillade. Un item. Oui, oui, tout à fait. Merci de me le dire. Parce que... oui, vu qu'il est derrière la porte, j'ai pas eu le réflexe. Et j'ai pas fait gaffe quand j'ai combattu l'autre. Alors, l'anneau des liens, il est là-bas, mais tant qu'on en a pas besoin, ça ira. Alors, on va faire comme ça. Salut. Ah merde, il me pourchasse, ce con. Je crois qu'ils ont une limite. Non? Ah! Ok, c'était pas prévu ça. Alors, l'anneau est dans ce coffre, mais il y a un chevalier de Hayd. Alors. Je vais reprendre mon épée. Je pense qu'on va rusher directement. Ouais, j'ai aggro le voisinage, c'est ça. Ah, ils ont enlevé ceux qui étaient ici. Ah oui, non, il y en a, ils ont juste... Waouh, il y a un chevalier de Hayd qui est réveillé. Oh putain. Waouh, ceux qui sont dans cette zone, ils sont réveillés. Alors vite, on se grouille de rejoindre le dragon! Ah merde, y'a personne qui a été buté en fait!
Waouh, mais attends, waouh, la distance qu'il parcourt pour juste une attaque. Et moi je me suis dit je suis tranquille. Et alors le truc c'est que ça aurait pu se passer. Non mais je pensais qu'ils allaient se faire brûler en fait. Mais en fait les mecs ils ont rien pris. Ah oui, le mec il en a juste rien à foutre de mes attaques. Attends, on va plutôt y aller comme ça. Putain, mais les dégâts! Eh, mais les mecs, ils pensent qu'on va se taper ça tout de suite. Eh, mais par contre, il faudrait arrêter de me suivre! Eh, mais c'est quoi cet aggro? Ouais, non, mais quand même! Le suivi, il veut rien dire. J'espère qu'ils gardent leur point de vie parce que ça va me faire chier. Alors, le problème, c'est que l'autre, il est déjà réveillé en fait. Bon, attends, toi, reste là. Reste là, toi. Ah, bah oui! Mais ils ont pas modifié, comment dire, la salle où il y en a trois des chevaliers géants. Et ça par contre ça me dérange. Mais bon, j'en ai buté un déjà. Alors, il y en a un qui s'est paumé. Ah non, il est là-bas. Y'a un moment qui... Je vois même pas comment tu peux les combattre en fait. Oui, je fais de la merde là. Mais sérieusement? Ça s'affronte ça? C'est de l'early game ça? J'ai l'impression qu'ils ont mis les mecs mais ils ont pas ajusté les dégâts. Ils ont une énorme poise, ils se prennent zéro dégâts. Alors non, s'ils se prennent des dégâts, mais si je peux pas les stagger et qu'ils enchaînent comme des malades. Ouais, et évidemment, ils repop. Bah oui. Non mais c'est censé être de l'early game. Alors j'ai rien contre le placement des ennemis, mais là faut arrêter la connerie des fois. C'est le début du jeu, ça reste une zone de début de jeu, hein. Putain. Il y a Jean-Michel Connard qui est revenu. Ah oui. TG. Et j'aime bien les chevaliers de l'aide qui se réveillent alors qu'on n'a pas buté l'autre. C'est surtout ça qui m'a fait chier en fait. D'accord.
Alors, ce qui est toujours aussi chiant, c'est qu'après tu dois taper les deux. Je me suis dit, c'est quoi le bordel? Ça a pas changé, hein. C'est toujours autant de la merde. Hein. Quand t'as les deux sur le cul, c'est pas la même. Hein. Alors, il a l'air de pas vouloir bouger, lui. Je veux pas m'en plaindre. Ouais, c'est ça, ils ont popé ces sacs à merde. Hein. Waouh, putain, pourquoi l'autre il est aggro depuis Perpète? Donc j'ai un chevalier géant plus un chevalier d'Aid en même temps. On en parle? Non, mais on en parle, hein, si vous voulez, hein. Ah bah oui. Bah en fait, à part le pari, je vois pas. En fait, c'est ça, je pense que le seul moyen de faire les chevaliers d'aide. Mais putain, mais. Les mecs, ils ont quand même pensé. Et tiens, on va faire ça gros le chevalier d'aide. Et le chevalier géant en même temps. Mais les mecs, vous vous rendez compte que c'est pas viable? C'est pas faisable. Ah c'est bon, le chevalier d'aide se barre. Alors, le truc, c'est que le chevalier d'aide va me casser les couilles. Les chevaliers d'aide. Parce que le truc, c'est que j'ai clairement pas le timing pour les paris dans celui-là, en fait. Et j'ai que 19 trucs de... Je sais pas comment il m'a pas touché, mais il m'a pas touché. C'est pas mal l'attaque qui sort de nulle part. Et j'ai le droit de vivre. Die. Et ne reviens pas. Eh, je vois que le pari en fait. Il y a toujours l'objet ici. Il s'est rendormi l'autre, oui. Voilà, il se réveille l'autre. Ah, la lance, je suis moins confiant en fait. Je viens de dire de me souvenir que. Non, non, le dragon repop pas, mais... Bonjour, on cherche le backstab. Le backstab est actuellement recherché, hein. Le backstab a disparu. Bonjour! Ça s'appelle des gros connards! Mais sérieusement, le mec! Auto
Attends, celui à l'épée, c'était faisable. Oui, mais le pari. Non, 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 même là, si tu paries pas, tu meurs, c'est tout. Attends, le mec, il est ultra rapide, il te fait des combos, des bombos combos. Eh, mais moi, franchement, je vois que je peux pas atteindre le dragon. Mais le pire, c'est que toute la zone est faisable sauf lui. Non, moi je rush. Non, c'est bon, j'en ai marre. Ah, j'en ai juste marre. Bah les couilles. Oh, genre, je suis même tenté de faire quitter chargé au dragon. Non. Juste non, en fait. J'ai pas envie. Oui, et puis aussi la version PC d'origine. La version PC sur PS4. Ah bon? Évidemment, c'est moi qui me prends la queue, hein, et pas et personne d'autre. J'aime bien les roulades qui servent à rien. C'est toujours drôle. En fait, je suis limite tenté de faire des allers-retours en espérant qu'ils finissent par crever des flammes. Les mecs, ils prennent rien des flammes, c'est débile. Voilà, je meurs. Bonjour, nous sommes des chevaliers qui ont... Bah, qui sommes juste des mecs en armure. On prend rien des flammes. Ouais, non, d'accord. Ouais, non, je note. Autant faire qu'ils se prennent rien. Non, parce que ça sert à rien de faire qu'ils se prennent des trucs si ça fait rien en dégâts. Putain. Oh, mes conneries, quoi. Bah, vu que de toute façon les connards là-bas, ils sont obligés de se réveiller, autant aller faire le boss, hein. C'est bon, hein. J'aime bien le follow avec un gros marteau. Fais pas ça, connasse! Combien je me prends le marteau à travers le mur de brouillard? Voilà. Va niquer ta mère. Non mais je vais me repointer avec la Great Sword, ça va pas être la même, hein, si ça continue. On va aller directement faire le build et puis après on va aller leur péter leur gueule. Hein. Voilà. Ah oui, oui, j'avais oublié ça. Alors j'hésite si j'augmente mes stats ou si je... Alors je vais juste me mettre un niveau pour mettre... comment dire? Ah, j'ai pas de titanite, je crois. Ah merde. Il en vend Elenigrast ou pas de la titanite? C'est où la titanite dans les objets déjà? Ça doit être là. Ouais, donc je dois pas en avoir. Alors, je vais juste au moins mettre un niveau pour pouvoir porter la masse à une main. Niveau sup. Voilà, au moins ça. Ah, je peux me faire quand même pas mal de niveaux. Hein. Alors, on va mettre de l'ATP.
ou de la Vita. Alors, on va se mettre à 15. Le reste, on le met en vie. Voilà, comme ça, on est tranquille pendant un moment. Voilà. Alors, on tente une fois, on retente une fois, sinon niquez-vous. Ah, déjà, je voudrais au moins récupérer l'anneau de lien. Parce que disons que, oui, non. Je me tape pas le. Je me tape pas le jeu sans l'anneau de lien, hein. C'est mort. Ah oui! Eh mais c'est bon là gros! Waouh, mais il aggro alors que j'ai un jeu. Attends, mais il m'a aggro à 10 km! Eh, faut se calmer des fois dans la vie, hein! Voilà! Alors, je reviens là parce que je veux pas m'avoir le Michel sur le dos. Alors, l'attaque qui sort de sa ceinture, je la déteste. Il est tombé. Et l'attaque, voilà, elle sort de nulle part. J'aime bien, le mec il a même pas fini sa première attaque. Non mais je t'en balance une autre. Tu sais, histoire de faire connaissance. Ta mère, la pute. Je meurs en récupérant le coffre, je me flingue. Mais genre grave. Il serait capable d'avoir protégé une mimique en plus. Je crois que c'est l'anneau de lien. Hein. Il y avait intérêt. Hein. Ouais, non, allez, laisse tomber. On fera ça en endgame. Hein, le Arnstein, le dragon, tout ça. Hein, niquez-vous. On va juste s'occuper du build pour le moment. On va chercher la Greatsword, tout ça. Niquez-vous bien comme il faut. Je vais juste recharger. Putain, mais toutes les gemmes de vie que j'ai gaspillées. Bah en endgame ou en midgame, mais là c'est bon, hein, j'en ai marre. Les mecs ils ont des stats abusées dès le début du jeu. Attends, les mecs ils ont des movesets ultra rapides, les mecs ils ont pas à penser à... Attends, on passe de mecs qui te font des dégâts, des dégâts ultra lents mais ça va. Par contre, ils te mettent des shadow aid qui te font les mêmes dégâts mais en ultra rapide. Pardon. L'équilibrage, vous connaissez. Ah non, mais je pense que Exerve il avait dû s'arrêter à ce moment là pour quand il a dit le jeu c'est de la merde. Parce que ça te donne vraiment cette impression là. Hein. TG. Voici ton badge TG. Mais c'était une masse. Oui, bah c'est pareil. Oui, parce que je dis endgame, mais j'exagère. Mais quand on aura un perso un peu plus prêt, en fait. Hein, parce que Shade Aid. Et c'est surtout celui à la lance qui fait chier, parce que l'autre, je peux le gérer. Hein. Si je vais au pari, ça peut aller encore. Bon, je manque un peu de... D'accord. On va pas par là. Les mecs à la lance, c'est bon que j'ai donné. Hein. Avec un perso fini, je veux bien. Avec un perso pas fini, c'est mort.
Ouais, des chevaliers de Vendrick, mais oui, non, dès le début. Oui, non, mais non, 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 c'est bon. Hein. Allez, niquez-vous. Allez, niquez-vous. Oui, j'ai oui, voilà. Oui, alors, mettre un casque pourrait être une bonne idée. Alors, pas ça, parce que... Ah, quoique. De loin, on voit, ça fait... de loin, on voit pas la différence. Non, je vais pas la renvoyer parce que voilà. Ah oui. Oui, j'avais oublié un truc. Dans Dark Souls 2, faut pas frapper les murs ou rouler dedans, faut... Pardon. Des basilisques. Un basilisque. De toute façon, on peut pas... Attends. Mais c'est le chemin? Je fais... Oh putain, ils ont bloqué le chemin, ces fils de pute! Oh, les mecs, ils ont bloqué le chemin! Non, ah non, c'est là! Non, non, c'est un autre chemin là-bas. Non, non, j'ai dit de la merde. Non, non. Et j'ai pas le chemin en tête de par cœur. Hein. Elle est pas censée être là, Lucatiel? Ils ont enlevé Lucatiel? Est-ce que tu peux aller me chercher ou est-ce qu'il est censé être Lucatiel dans le Scolar? Parce que là, le truc, c'est que je suis censé l'invoquer, mais elle est pas là. Enfin, faut quand même que je lui parle pour pouvoir l'invoquer, justement. Il me semble. Bon, en attendant, je vais chercher l'arme. Je vais juste voir mes stats. Dex. Faudra que je mette un peu en Dex, hein, quand même. Oula. Ce qui me fait chier, c'est que j'ai pas un bouclier à 100%. Ah oui, un chien dès le départ. Une effigie humaine, c'est pas perdu. J'ai pas une super armure après. Ah, la titatine. LOL! Il a juste rien pris. Attends, le mec il m'a fait mal avec son bouclier. What? Lui, je le sens pas. Ta mère.
J'ai pas de pierre pour allumer la zone, ça me fait chier. Je le sens pas. Je me souviens plus c'est quoi la zone, le passage exact en plus. Voilà, et ça c'est voilà, c'est des ennemis que je fais. J'essaie de me repérer parce que j'aimerais éviter de te faire tout en fait. Comme je suis là, je suis pas du tout adapté. Faut encore monter, je crois. Alors, on arrive dans la zone des trucs dégueulasses. Ça marche aussi. Ah, je crois que c'est dans la maison qui est là-bas. Au sol, sac à merde! Pas mal la flèche alors que je combattais le truc, hein. J'ai vachement kiffé. J'aime radieuse. Ouais. Sac à merde. Alors là, ça va être compliqué. Je me soigne. J'ai pas confiance. Bonjour. Viens par ici! Hello there!
S'il est bloqué. Oui, on aurait fait ça dès le départ, ça aurait été plus simple. Alors, il a une capuche sur lui, on sait pas pourquoi. Alors. Voilà. C'est ça qu'on veut. Alors par contre, faudra changer de tenue, hein, parce que là, ça va pas le faire. Bon. Maintenant, on se casse. Parce que là, on n'est pas prêt du tout, en fait. On va plutôt faire l'autre zone de... D'ailleurs, on va faire un truc. J'ai un os du retour. C'est le seul que j'ai, mais on va plutôt faire ça. Ah. Mais... T'es toujours là, toi? Non, parce que je t'ai posé une question tout à l'heure, t'es pas revenu. Enfin, où tu m'as pas répondu. Ah non, elle est censée être à... Ah, le Lucatiel, elle est censée être... où ça s'appelle à la forteresse? Ou ici d'abord? Ah, je sais plus. Je sais plus. Est-ce que je l'avais noté? Je regarde mes notes, désolé. Ah non, c'est... Bah, ouais. Dans le truc que j'ai, elle était d'abord là. Ouais, bon, je sais pas. Âme damnée, tout ça, voilà. À 10. On va augmenter la force. Non, je peux pas encore. Bon bah on va faire le dernier géant. Du coup c'est là. Putain, j'ai chaud moi. À tous les coups il est parti manger. Parce que on est censé l'invoquer à... Contre la sentinelle, enfin pas la sentinelle, si la sentinelle flexible. Oui, acheter. Je peux en acheter 4. Ah, ça coûte cher. Enfin, ça coûte cher en early game, mais. Alors, on va éviter du coup de. Aïe! Mais niquez-vous! Attends, TG toi.
c'est pas là la suite, que je sache. Si? Il me semble pas. Hein. Il me semble pas. Là, il me semble que c'est pour des trucs annexes ou je sais plus quoi. Ça se passe pas par là la suite? Ah bah si, 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 si. Ou je sais plus. Je sais plus où j'habite, je sais plus où je vis, tout ça, tout ça. Non mais si, ça doit être par là. C'est juste moi. Faut dire, c'est juste moi qui. Ça se trouve, c'est moi qui sais plus rien. Ah bah si, bah si. Ah! Bonjour! TG. Plus ici. Allez, tu peux le faire. Presque. C'est moi ou t'es un sac? Oh le sac! Putain, va falloir que je... Ah non, c'est un sac. Merde! Mais il s'est pas visé! Mais apprends à viser, putain de merde! Putain, va falloir que je le fasse moi-même, quoi. Faut que je fasse les trucs moi-même parce que le mec s'est pas visé. Oh putain. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. T'as vu? Un sac. Bon, un bon gros sac comme on n'en fait plus. Hein. Alors, on va faire ça. Voilà. Je me sens mieux déjà. Ah! J'aurais préféré que tu le dises avant de partir. Mais bon, ok. Je vais me la prendre. Voilà, dégage. Allez, viens! Je t'attends! Tu me fais plus peur! J'avais oublié cette merde. La hitbox n'a pas été corrigée, ça c'est clair. Hein. Ah oui! Cette attaque débile! Je crois qu'en plus c'est tête chercheuse. Ce qui rend ça encore plus débile. Oh putain, j'arrive plus à le faire. Et ça, c'est chiant. Avant, j'arrivais. Avant, je pouvais le faire. Et puis là. Oh là 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 là, ce boss, putain. Ce boss qui veut rien dire en plus. Et c'est un boss de début de jeu. Je suis extra... je suis l'un des boss les plus difficiles. Ouais. Oui, je parle de vraie difficulté. Je vais me la prendre, je vais me la prendre. Non, c'est bon.
What? Est-ce qu'on est en train de me faire croire qu'il y avait des mobs sur le... dans l'arène? Non, les mecs, ils ont rajouté des mobs après. Pourquoi? Y a un propos derrière ou c'est juste pour être complètement débile? J'aime bien, je peux même pas me protéger pendant que je me prends le deuxième coup. Putain, mais... Les coups des stocks, quoi! Putain, mais j'ai limite l'impression que le jeu est plus lourd. En fait, le jeu est plus rapide, mais ton perso est tellement plus lourd que dans le 1. Ah, et non, c'est pas de la mauvaise foi, je viens de jouer au 1. Et j'ai vraiment l'impression que c'est 3 fois, 1000 fois plus lourd. Putain, mais ton perso, j'ai l'impression que c'est un camion ben, des fois. Quand je fais une roulade... je suis un vieux! Non, mais j'ai l'impression de jouer un vieux. Voilà. Et faut qu'il... Merde là! En fait, j'ai l'impression que les ennemis ont la vivacité de Dark Souls 3, mais que mon perso est resté dans Dark Souls 1. C'est extrêmement frustrant. Mais putain, mais ta gueule! Voilà, crève! Déjà! Pour commencer. Voilà, dégage. J'aime bien toujours les attaques qui passent à travers le bouclier. T'es, on te permet d'avoir un bouclier, mais... ça sert à quoi? Et je suis même pas en dessous! Putain, mais ce jeu buggé là! Dark Souls s'est buggé jusqu'à la moelle! Crève, saloperie! Putain, mais attends, mais ils ont. Attends, je veux voir, je veux voir! Non, il y a vraiment des mobs. Mais ils étaient pas là tout à l'heure. Dans quel concept tu des mobs finissent par exister dans une zone là où ils étaient pas avant? Les zones sont censées rester les mêmes à chaque fois. Oh là là. Ah ouais ouais, on a mis plus de loot hein. Par contre hein, on t'a mis des ennemis si tu n'arrives pas à battre le boss. C'est débile. Dégage. Putain. Bon, au moins il y avait un fragment de fiole d'Estus, ça méritait. Mais TG putain, mais nique ta mère. Bon. Alors je vais pas trop gueuler parce que c'est une zone optionnelle, enfin c'est un truc optionnel donc voilà. Mais quand même, c'est débile. La meilleure fiole d'Estus. J'ai pas assez. Ah oui, putain, oui, effectivement.
Ah, je peux quand même la porter à une main. À deux mains. Ça va pas être la même là. Alors par contre... Ah. Renforcer une arme. Ah ouais, non, c'est toi qu'on a dans quantité limitée. On augmentera la vigueur du coup après. Quelle désolation tu vas aller te faire shampouiner la tronche. Ah mais merde. Quand je dis que rien ne se passe comme ça devrait. Ça va? Vous voulez de l'aide? Non mais je vous le dites hein, y a aucun problème. Non mais le mec aussi, c'est complètement gratos et on va mettre un mec pour canarder. Ça ils l'ont pas modifié ça par contre. Il y avait nécessité. Tu me dis qu'il me touche d'ici, je... Ta mère. Et merde, on va avoir besoin de passer par là. Ah oui. Ah, il y en a plus qu'avant. Je fais un peu, je vérifie hein, quand même. Ah, il protège mieux physiquement hein, ça. Et en plus, je peux le porter sans être un sac à patates. Je vérifie, hein. Vous m'excuseriez, hein. Dans les objets que j'ai eu, c'est quoi ça? Talisman argenté pur. Permet de se fondre dans son environnement. D'accord. Mais je n'ai pas de truc pour. Je n'ai pas de pierre de Pharos. Alors. Je voudrais juste un truc. Je vais enlever ça. Ah, mais non, mais attends, je peux frapper au point au pire. Oui, non, mais non, du coup, j'ai pas besoin de toi. Oui, voilà, j'ai qu'à faire ça quand je crois que c'est. J'ai l'impression que c'est une mimique. Par contre, je crois que c'est un piège. Ah, de la titanite. Donc du coup, je pourrais améliorer les... mon épée. C'est le facteur.
Arrête de te protéger. Ça sert à rien. Je suis la vengeance, je suis la justice. Je suis... Je tabasse un coffre. Anneau de vie. Ah, grand fragment de titanite. Ah. Alors, l'anneau de vie, on va le prendre. Ça sera pas perdu. Pour le moment, avec notre... Pas avec notre build, mais avec... dans... Ah. Ah. Ah, ça nous fait un... Ah oui, oui, c'est parce qu'on est juste. Oui, d'accord. Et j'ai eu peur. Je me suis dit, ils sont réveillés. Alors, je suis pas ultra confiant pour faire ça. Allez, viens dé. What? Voilà. What? Alors le mec, on a bien vu se prendre le coup de l'épée, mais il a rien senti. Mais oui, mais en fait, je les reconnais, c'est pas les chevaliers du château, de la forteresse de désolation, je sais pas quoi, là. Alors, le truc qui est en train de frapper quelque chose, je sais pas d'où il est, et je sais pas ce qui frappe, mais l'entendre donner des coups m'irrite au plus haut point. Limon aromatique? Ça me dit quoi? C'est quoi ça? Je m'en souviens pas. Ah, c'est ça. Rentemparement. Ah! Ah, c'est donc ça. C'est l'arme magique, mais version objet. Il y a moins de mobs! Pourquoi il frappe le géant? Ah, tu me diras, ça paraît très logique, si c'est des rescapés de l'armée de tout ça. Ah, c'est la tête de marque blanche. Alors, par contre, il nous faut le serment solaire. Je vais prendre mes trucs. C'est quoi? Ah, c'est juste des... Allez. Mais vous savez pas viser, ma parole. Putain, mais ils savent pas viser. C'est chiant. Ah bah quand même. Alors, ah bah quand même, je m'en suis pris plein la gueule, mais c'est ça que j'attends depuis tout à l'heure, qu'il te fasse tout péter. Mais tu me diras, c'est pas illogique que... En fait, c'est pas illogique que des soldats attaquent le géant, même par réflexe en fait. J'ai rêvé, oui, c'est... Ah oui, j'avais oublié la débilité de Dark Souls. Un coup de bouclier considère que tu te protèges. Mais uniquement quand c'est les ennemis qui le font. Toi, par contre, tu peux aller te faire enculer. Hein. Voilà. Meurs.
À tous les coups, c'était le mec qui envoyait les bombes. Ouais, c'est ça. Non, attends. Non, c'était pas là. Ah non, ils sont toujours là-haut. Je vais aller en haut pour voir. J'ai plus de feuilles dessus, ça me stresse. Tu me prendrais pas pour un abruti, Roger. Y a pas un passage secret? D'accord. Ah. Ah. Et merde. Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Mais pourquoi tu vises pas les ennemis? Putain, mais leur allonge ne veut rien dire, quoi. Ah ouais, mais toi t'as une ultra allonge aussi? Ouais, non, mais attends, 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 attends. T'as vu la différence entre mon épée et la leur? Miniquez-vous. Là, je vais sûrement mourir en essayant de tomber. Non, ça va. C'est moi, ils ont réduit les dégâts de chute. Alors, tout ça parce que je voulais un putain de loot qui était en sur. J'ai pas compris pourquoi je l'ai pas eu d'ailleurs. Je veux dire, mon perso était devant, tu sais, il était en plein saut, mais il s'est bloqué contre la planche. Tu peux utiliser tes mains aussi, hein. Mais non, je tiens mon arme. Ouais, bah bien sûr. Parce que pour prendre une échelle, par contre, il y a du monde. Encore une fois, il a pas fait un grand saut. Il a à peine levé les jambes. Mais mec, bouge ton cul! Putain, c'est des jambes que t'as ou c'est des. Ou c'est des moignons? Oui, les moignons, c'est au bras. Faites pas chier. Hein. Mais merde! Pourquoi? C'est quoi ce délire? Tout ça pour ça, sérieux. Dark Souls et ses loot trolls. On te fait miroiter un truc qui a l'air génial et au final c'est de la merde. Alors, faire attention. Je vais aller en haut d'abord. On sait jamais. On arrive proche de la zone. J'ai souvenir qu'il y a un truc bullshit dans le coin. Un ennemi bullshit. Pour atteindre le boss, ça c'est cool. Targe en cuir. Ah oui, mais par contre c'est plus lourd. Ça protège mieux, mais c'est plus lourd. C'était pas à 100% avant ça? TG.
Voici ton badge TG. Désolé, j'ai piscine. Hein. T'en dirais un mec, mon perso, maintenant. On va faire... Si j'ai assez, je vais en faire quelques levels. Ça, j'ai rattrapé mes fioles de... Mes gemmes de vie. Qu'est-ce que je fais? C'est elle que je veux voir. Oh, je suis fatigué. J'arrive pas à la tourner correctement. Je peux faire deux levels. On va mettre de la vigueur. Ah oui, putain, j'ai que 7. Oui, effectivement. Putain, c'est lourd cette merde. Ça me fait chier de pas avoir de bouclier. Mais ouais, non. Putain. Disons que ouais, me trimballer à poil, ça me plaît pas des masses. Bon. On va aller faire le dernier géant. The last giant. Qui selon le lore apparemment serait le seigneur des géants. Alors c'est très insinué du moins. Parce qu'ils se battent exactement de la même façon, puis bon. C'est à peu près dans la même zone, enfin voilà. Je suis un bout de bœuf séché. Je suis un... J'ai un bout de viande de... Oui, de bœuf séché, oui, c'est ça. TG. Bon, est-ce que je vais faire mon sac? Oh, sûrement que oui. C'est l'un des boss les plus faciles du jeu, j'arrive quand même à me merder quand même. Bah oui, bien sûr. Mon perso ne sait... Le perso de Dark Souls 2, il me gaffe parce qu'il s'est pas visé. Genre... La logique. Non, c'est bon. J'aime bien, j'étais complètement à côté du pied, mais quand même à une bonne distance, et ça m'a quand même touché. Mais bon, on va rien dire. The last giant. Me semble pas qu'il y ait d'objets, mais bon, dans le scolar, ils peuvent très bien l'avoir mis, avoir ajouté. Non, j'aurais pensé que ça souffrirait quand même avec la clé du soldat, pas du tout. On va utiliser nos âmes quand même. Ah, les détails sur l'épée, j'avais jamais remarqué. Elle est bréchée et tout. Je sais pas si ça se voyait dans l'original ça. Salut!
meurt. Voilà, mamie, elle est partie à Majula. Je sais plus s'il faut attendre un certain moment ou elle vend des gemmes de vie à l'infini maintenant. Je me souviens plus. Là voilà, mamie. Ouais, maintenant c'est à l'infini. Et ça, c'est cool. Ça sera notre ressource de Sioldestus. Ah. Attends. J'aimerais bien me la prendre, ça, mais ça coûte cher. Donc, plus tard. Je vais monter ma vigueur à 15. Histoire de pouvoir porter quelque chose de... Du vrai quelque chose, on va dire. Alors, j'ai reçu un fragment de titanite tout à l'heure. J'ai pas pensé à améliorer mon arme. Ah, c'est deux directs. Ah oui, c'est 1, 2, 3 et 1... Oui. Oui, parce que vu qu'on va que jusqu'à 10, du coup c'est d'abord 1, puis 2, puis 3. Oui, c'est vrai. J'avais oublié. Non, bah non. De toute façon, je streamerai de toute façon le jeu hors ligne, donc de toute façon c'est pas grave. Alors, je pense qu'on va se tenter le Punisher, j'allais dire. Non, pas du tout. Le poursuivant. On va se tenter le poursuivant quand même. Même si ça va être compliqué. En fait, l'idéal, ce serait que j'arrive à le pari, mais je suis pas du tout confiant. Alors, non, ne pas faire double de foiron, parce que bon. Toi, tu meurs. TG. Mais c'est pas par là? Ah, des squelettes. Voilà, un truc que je peux pas blairer dans Dark Souls 2. Le fait que ton perso se retourne si tu fais une direction pendant que t'attaques. Alors autant ça peut aider, autant c'est très frustrant. Alors c'est des squelettes. L'avantage des squelettes, c'est que du coup, on sait quand est-ce qu'ils arrivent, parce qu'on les entend se former. Ouais. Allez, hop. Oh. Ah, étant donné que c'est dans des sous-sols, je me dis, c'est pas très illogique, en fait. Tu dis c'est des sous-sols, personne n'y vient jamais, donc bon. Question, si j'allume une torche et que tu sais j'allume les bras zéro, ils restent allumés dans les prochaines parties? Ou est-ce qu'ils vont s'éteindre lorsque j'éteindrai la console? Elle reste allumée, c'est bon à savoir. Alors je vais peut-être pas le faire là parce que c'est pas très utile.
Mais si j'en rencontre d'autres, ouais. Ça peut être très intéressant. Alors, je vérifie parce que je vois pas forcément ultra bien. Oui, bah, bien sûr, appelle-moi con. C'est de l'ironie, ne m'appelle pas comme ça. Non, je vais pas aller là-bas. Niquez-vous. Quoique, attends. Est-ce que je peux voir les ennemis qui sont en haut? Bonjour, je suis la précision dans Dark Souls 2. Comment ça, il y a un problème? Non, je vois pas de quoi vous parlez. Oui, je vous disais, il semblait qu'il y en avait un où on pouvait faire ça. Oui, alors par contre, faut qu'il y ait cette voie déjà ouverte. C'est pas les mêmes dégâts que la masse, hein, clairement. Merde. Si tu t'as pas une masse, c'est quasiment. Tu peux pas le buter, quasiment. Sans te prendre des dégâts, j'entends. Bien sûr qu'on peut le buter, je viens de le faire, mais. C'est vraiment le genre d'ennemi, putain, c'est le cancer quoi. Non mais oui, et puis en plus, tu sais, t'as pas de moyen de le voir avant. Tellement ça a pas d'animation en fait. Mais pas de réelle animation en fait. Au moment où tu le vois, bah tu le prends en fait, c'est ça le truc, c'est. Ah oui. C'est quoi que j'entends? Denis l'armurier. D'accord. Oh putain, non! Ah non, pas un PNJ pendant que j'ai un gros sac. Alors attends. What? Il y en avait un là aussi! Eh mais faut qu'il se calme sur les gros lards! Ah c'est un magicien en plus. Ah je vais kiffer. Ah bah bien sûr! Mais les gros lards c'est tellement le cancer à affronter! Monte à l'étage, tu veux que je. Pourquoi? Ah, ils peuvent pas monter. Je voulais pas y aller en plus. Je me suis dit ça va être de la merde et bah. Ouais, mais le truc c'est que j'avais pas vraiment. Je savais même pas où c'était en fait. Ah oui, le mec il a une épée, un bouclier, mais c'est un magicien. Bien, non mais on n'abrête pas le progrès. Progrès de la merde, mais le progrès quand même. Je monte hein, carrément. Une flamme bleue. Et donc? C'est censé m'indiquer quelque chose? Ah bah oui, ils ont rajouté ça aussi! Putain d'épée de merde! Bonjour, on a fait un PNJ pété! Manquerait plus qu'il ait une grosse armure, tu sais.
Il se tue un moment? Ou... Sac! Ah merde! Elle était ça, là, dans le 1, dans le 2 d'origine, la lame de magie? Parce que putain! Eh hey, bonjour, on a fait un PNJ qui est presque invincible en early game. Mais pourquoi Jamy? Je sais pas, peut-être parce qu'il peut se protéger en quittant le combat. Je sais pas, d'habitude les PNJ... D'accord, ok. Putain. Alors, on m'y reprendra pas deux fois. Il va se faire enculer ce passage. Je me suis dit, allez, je vais voir les différences. Ouais, bah non, bah plus jamais. Hein. Plus jamais, hein. Ce chemin, c'était déjà... Je ne l'aimais pas déjà à l'époque. Ce passage, c'est toujours autant de la merde. Hé, les mecs, je suis même pas encore arrivé. Bleh. Non, je suis pas salé, non. C'est faux. Il n'y a pas un PNJ qui m'a complètement défoncé la gueule et que ça me gave. Je veux bien que les PNJ soient forts, mais il y a des limites quand même. Et le mec attend, les mecs, bonjour, on te pète la gueule avant même que t'arrives. J'attends le PNJ qui va m'attaquer alors que t'es dans une autre pièce. À l'autre bout de la map, ça va être marrant ça. À travers les murs, tout ça, on va bien s'amuser. Bon. J'aurais peut-être dû prévoir un bouclier. Hein. C'est pas les mêmes dégâts. Hein. Ah oui, j'avais oublié. Je commence à rattraper le timing pour ce boss. First try, ma gueule! Bon, je me suis foiré quand même sur le truc d'avant, mais déjà j'avais pas cette arme là. Alors, je te posais une question tout à l'heure. Tu peux aller me voir où est-ce que dans ce collard on trouve Lucatiel en premier? Est-ce qu'elle était pas au truc des pirates? Tu sais, au feu de camp des pirates? Bah, elle doit être là, mais j'imagine, mais je sais pas, dans ma liste, elle était marquée que bah c'était là-bas au premier. Il me semblait, en plus. Elle doit être dans la forteresse en premier, du coup, là, maintenant, mais je sais pas. Et c'est quoi les boss, déjà? J'ai oublié. Dans quelle zone? Parce que c'est bien beau de me dire des infos, mais si je sais pas c'est où, je peux chercher tous les escaliers de l'univers. Pirate? Ah, ils l'ont changé de place, d'accord. Elle est toujours là-bas, mais à un autre endroit.
Around the building. Sur la gauche, d'accord. Bon bah je vais y retourner. Histoire de au moins pouvoir l'invoquer. La. What? La braise, on l'a là? Bon, quoi que tu verras, c'est pour simplifier le fait avec le forgeron, mais. Ouais, ouais, non, mais oui, voilà. Mais au moins, en fait, les zones sont toujours les mêmes, c'est juste que c'est l'endroit précis, en fait. L'anneau du soldat, le normal, tu peux me dire où il est? Parce que je me souviens plus. Celui qui permet d'avoir plus d'équipement. Ah, plus d'équipement, plus de charge d'équipement. Alors attends, déjà on fait ça. J'ai 15 de vigueur pour le moment, ça a l'air d'aller. J'ai pas vraiment de problème dans mes roulades, ou très peu. Pour le moment, ça ira. Merci. Je savais qu'il y avait un truc. Je me souvenais. Oui, je m'en souvenais plus. Enfin, plutôt, je m'en souvenais, mais vite fait, en fait. Hop, 20 de force. J'aimerais pouvoir la porter le plus vite possible à une main. J'ai pas de fragments. Si, j'en ai un, mais un seul, quoi. Attends, je vais retourner juste au quai de la désolation chez les pirates. Donc, au niveau du building à gauche. Attends, tu m'avais dit run the building à. Ah, au niveau du premier truc d'escalier, c'est ça que tu me dis. Alors, on va d'abord rentrer là-dedans. C'est pas mal ça de viser celui qui est à l'autre bout de la pièce, mais pas celui qui est juste devant ta gueule. Eh, hey, mais c'est dit donc, c'est que ce jeu serait codé? Ah non, pardon. Non, il est pas codé justement. J'ai perdu de la vie pour rien. Appelle-moi con. Non, mais juste comme ça pour voir. Parce que ça va vite m'énerver. Bah non, il faut 28 de force. Ça a toujours été comme ça d'ailleurs. Ah sinon ce serait plus simple, là, je prendrais un bouclier. Ça doit être là. Non, pas dans l'eau! Putain, je suis con. Oh, quoique. J'aime bien mon armure qui me fait de la poise un peu comme elle en a envie. Mais. Alors. Attends, la cadette, c'est en haut d'une démarche ou c'est. Je sais plus ce que tu m'as dit en fait exactement. Tu me dis? Oui, non, mais. Ah, oui, d'accord. Oui, mais. Oui, mais. Ah, laisse tomber. D'accord. C'est bien parce qu'avec cette arme, je peux totalement buter Lucatiel à travers le mur par erreur. Non, non, d'accord, il y a un escalier. Ouais, là, voilà. What is it? I don't know you. Things aren't better that way. Normally, people keep a safe distance when they see this map. I'm called from the land of Mira to the far east, across the mountains. They say Drang Lake brims with, and so I came. But what a strange place! You are an odd one indeed. I've always
Voilà, comme ça je pourrais l'invoquer. J'ai combien j'ai 10 effigies. Bon bah ça va. En théorie, je devrais pas avoir besoin de plus. Alors, ça me fait chier de d'être dans cette zone alors que j'ai pas le truc pour allumer tout ça. Pour allumer la zone. Oui, je pète les trucs à main nue. Ouais, c'est bien. Je m'en suis douté. Je suis pas recouvert d'huile? Si, je sais plus. Merde, là par contre, oui. Ah putain, mais ce truc me. Bah bien sûr. Ah mais ce truc tu vas dans une autre direction, bah il va attaquer ailleurs. C'est débile. C'est chier. Les mecs ils se sont dit c'est une très bonne idée Roger. Les gens ça va pas du tout les faire chier. Tu sais, c'est genre quand t'es en train de reculer mais que tu vas attaquer. Pendant que t'es en train de reculer tu fais arrière. Ah bah c'est bizarre. J'attaque en arrière. Ah bah c'est pas de chance. Ah je suis mort. Pour la 50e fois, oh bah, je suis pas du tout énervé. Non, je m'en fous, je rush. Non, là, j'en ai plus, j'en ai ras le cul. Hein. Non, tu vois, hop, là, j'en ai rien à foutre de ta flèche, tu vois. Et les mecs, ils vont à toute vitesse pour un mec random. Non, là, je vais juste. Ah oui, parce que on a remis ça. Pardon. Le mec il s'est rébré. Les hitbox buggés. Toujours là qu'on a besoin d'elle. Non mais j'ai toujours kiffé ça. Mes coups qui traversent les ennemis mais bah les couilles. Ouais mais t'as touché son bras et pas son corps. Bah oui, c'est vrai que quand on me tranche le bras, j'ai pas mal. Ah oui, au passage, je sais pas si c'est le scolar ou l'original qui était comme ça, je m'en souviens plus. Mais les personnages qui. Les PNJ qui utilisent des armes à distance. Ils ont oublié de savoir viser. J'ai rêvé. J'ai utilisé une fiole d'essus et ça m'a pas soigné. Pardon. Mais c'est parce que parce que je me suis fait frapper. Ouais non mais attends. Ils m'ont pas fait une barre de vie complète de dégâts. Faut arrêter la drogue. Si. Ah si, totalement. Bah moi j'en ai 4 hein, normalement. Putain, Et on garde en mémoire tout ce que t'as fait. Bon par contre péter des chariots. J'aime bien les dégâts qui sont pas fixes. Je leur pète la. Il y a des fois je les one shot, des fois je leur fais mid bar. Ouais, d'accord. C'est une chose qui ok. C'est pas gênant dans un jeu où tu risques la mort au moindre coin. Je suis pas salé. Non. Alors heureusement ils ont rajouté un raccourci depuis un passage qui était bloqué dans l'original. Va savoir pourquoi. C'est en fait t'avais le pont mais t'avais des débris dessus. Qu'est-ce qu'il. Il s'est tapé un sprint lui, d'accord.
What? C'était quoi ça? D'ailleurs, la logique, tu tabasses au point. Alors, t'as des sabres dans les mains, mais tu tabasses au point. What? Il s'est passé quoi? Non, mais c'est même pas l'histoire de scolar. C'est une histoire de légite. Attends, le mec là, il avait deux sabres? Ouais, non, je vais le tabasser au point. Mais what? Ah oui, en faisant les mêmes dégâts que si j'étais, si je le frappais au sabre. Et c'est pas des trucs qui ont été ajoutés, ça. C'est bah, à part le combo, je l'ai jamais vu. J'ai que 3 fioles. J'étais convaincu d'en avoir 4. Putain. Ça me fait chier. Parce que quoi qu'il arrive, je suis obligé de buter tout le monde si je veux pas être emmerdé. À tout le monde. Même Joe le Mongolo qui a aucune arme, qui fait 0 de dégâts, je suis sûr qu'il serait capable de me buter. Oui, mais même. Ça change pas. C'est. Le truc, c'est que la deuxième fois que je l'ai fait, je lui ai roulé dessus. Hein. Oui, non, mais le 3, je lui ai violé sa mère. Hein. C'est pas pareil. Hein. Putain de ta mère. Et le pire, c'est que je me fais chier pour juste un anneau à la con. Hein. Voilà. Et là, je viens de tuer l'équivalent d'un des chefs. Je le one shot. Par contre, les sbires, une fois sur deux, je les touche. Je sais même pas si je les touche. Alors, je sais pas si c'est censé faire un truc, le mec, mais. What? Les mecs, ils viennent juste de se réveiller. D'accord. Je suis passé sur la gauche en mode no problème, mais les mecs... Ouais, et là, il lui reste un PV. Le jeu qui se fout complètement de ma gueule. Là, c'est vraiment une histoire de code, en fait. Je me plains du code, je me plains pas de la scolar. Parce qu'en limite, je m'en branle. J'ai l'impression de jouer une hache dans FF. Un moment, je fais 10 de dégâts, un moment, je fais 50. Mais c'est le cas avec toutes les armes d'ailleurs, hein. C'est pas que celle-là. Hein. J'ai vraiment l'impression de que mon arme varie entre et c'est très efficace et puis l'autre extrême. Ah non, mais en fait c'est de la merde, lol. Bon, je vais monter tout en haut. Non mais niquez-vous, sérieux. Ah, ça serait plus simple si je pouvais la porter à une main aussi. J'aurais pas de problème de porter. J'aurais moins de problème pour viser. Ah, je suis venu pour rien, d'accord. Ok. Oh putain, le bug des 60 FPS, putain. Non mais il y serait encore, j'aurais même pas lancé le jeu. Hein. Je sais très bien que ça m'aurait fait chier. Déjà qu'habituellement, cette zone, j'ai tendance à manquer de comment ça s'appelle? Ah, je me suis pris la truc. Chier. Ça enlève pas l'huile de faire des roulades des fois? Non, parce que je demande. Hein. Et les chiens, ils m'ont pas spotted. Ça me gave. Ah, putain. Je vais me mettre là.
Mais le Wombo Kumbo, quoi! Faut arrêter! Et c'est pas une histoire de scolar. Alors, à moins qu'ils avaient déjà ces moves-là, mais... C'est une histoire de... Le mec, il y a... C'est un mec qui me fait chier. Et toujours le même. Putain, mais... Merde! Et je dois puter tout le monde à chaque fois, ça me gave. Je peux même pas rusher et aller chercher ce pu... Et je me fais chier pour l'anneau, je veux même pas le finir la zone. C'est ça qui me casse les couilles en plus. Un putain d'anneau mais que je suis obligé d'avoir parce que sinon je vais pouvoir rien porter du jeu. Ou alors ça va être de la défense négative, non. Et ça dit de porter une robe pour faire le Fume Night. Ah bah ouais, cool, ça a l'air trop cool, que trop kiffant Roger. Voilà, c'est justement ça le problème. Le mec il me fait des wombo combo. Alors là il utilise ses lames, mais tout à l'heure il a clairement utilisé le... Il faisait clairement du punch l'autre fois, j'ai rien compris. Puis même... Attends, hey, on est des ennemis de early game. On te fait on te fait facilement du mid-bar en une attaque. Bah attends, on va te faire un wombo combo qui fait avec les mêmes dégâts. Comment ça? Non, c'est pas pété. Non, c'est pas du tout bullshit. Qu'est-ce qu'il y a, Roger? Still better than Dark Souls, hein. Je tiens juste à le dire. Voilà! Je vais me prendre une flèche? Combien que je me prends le flèche? What? Il sort d'où, lui? Il était pas là il y a 10 secondes? Attends, le mec, il m'a attaqué avant de se relever? What? Mais il y avait personne il y a 10 secondes? What? Oh, je piche rien. Oh, je piche que dalle. Je piche que dalle. Ah, mais c'est génial. J'adore ne rien comprendre. Oh, les âmes. Tu veux dire les âmes où il y a zéro dedans? Ah ouais, non, il y a 170. Mais il sort d'où, lui, sérieux? Non, je m'en fous, je retourne au feu. Non, mais là... Je retourne au feu, je me remplis parce que c'est bon, je peux utiliser une fiole alors que j'ai à peine de le rentrer dans la zone. Putain. Je continue à le dire, hein, le jeu reste mieux que Dark Souls. D'ailleurs, c'est quoi ces mecs qui font les morts? Passe par là, ça sera moins chiant. Quand je dis que les mecs ils savent pas viser. Oh. Arrêtez de faire des mecs qui sont cachés. C'est pas de la difficulté ça. C'est de l'en... Hop. En fait, ils peuvent tous faire des bons combos, en fait. D'accord. J'attends le... Ah bah putain, le Fume Night, ça va être génial, hein. Oui, je sais qu'ils ont pas touché, mais... mais franchement... Putain, mais c'est quoi ces pirates? Ils m'ont jamais fait ça, avant. Ouais, mais bon, voilà, je stream, hein. Donc le Never Happened Before, mais lui, il arrive en boucle. Non mais bientôt je vais avoir la sentinelle inflexible qui va me faire... Il va lui pousser des ailes, elle va faire de la magie... Putain de merde. Putain, quoi. Et le mec a survécu. Voilà. Et là, lui, je l'ai one shot. Il y a zéro raison. Je les ai tous les deux touchés de la même façon. Et même si c'est Louis, il était éloigné, tout ça. Ouais, non, ouais, l'autre il veut. Putain. Mais ramène ta gueule, connard. Et tout à l'heure je l'ai one shot et là pareil, non, j'ai pas le droit.
Bah ouais, je pense, parce que là, j'ai perdu deux fioles d'estus. Je suis au début de la zone. Non mais ça commence bien. Hein. Je vais totalement arriver jusqu'à le bout. Hein. Et je le redis, hein, avant j'avais zéro problème. Hein. En fait, dès que les mecs ont deux armes, c'est mort. Je me prends un wombo commando dans la gueule. Et évidemment, là j'ai l'impression qu'ils en ont mis partout. Ouais, cool. Putain, chier quoi. Oh! Putain, mais codage de coq. Hitbox de merde! Tu vas où? Tu vas où? Putain, mon perso il va en vacances! Oh mais si ça continue, je vais aller farmer les chevaliers géants jusqu'à ce que j'ai mon arme en plus 3. Hein. Bah oui. T'as un perso qui sait pas viser quoi. En fait, non, c'est pas les IA qui savent pas viser. Les persos en jeu, en fait, tout le monde sait pas viser. Ton perso y compris. Eh, hey, en fait, je t'ai pas dit, je peux pas rouler pendant qu'il me fait ça. Entre le premier et le dernier coup, je peux pas rouler. Eh, hey, salut, tu veux un viol? Merde, merde, j'ai juste ça à dire. Tu fais pas un truc pareil sur lequel tu peux pas réagir. Surtout en game. Putain, bientôt on va voir les Black Phantom de Game Plus se pointer. Merde quoi! Et l'anneau, je suis obligé d'aller le chercher. Parce que sinon, je peux pas porter de vraie armure. Non, mais c'est bien, parce que du coup, à force de tuer tout le monde, bah, va finir par y avoir plus personne. Non, mais. Putain mais les mecs, ils se prennent une montagne sur la tronche, ils mordent pas quoi. Faut arrêter. Attends mais merde quoi. Mais le pire c'est que tu vois bien, je leur roule dessus mais Non, non, c'est vraiment les mecs qui font des bombos combos qui me violent à chaque fois, ça me gave. Encore une fois, hein, là. Il y en a qui kiffent Midir parce que c'est ça, hein, c'est du one shot, ah là là, c'est trop la difficulté. Les mecs qui kiffent les one shot dans leur jeu dans la difficulté, faut que vous alliez vous faire soigner parce que c'est pas normal. Hein. Il a zéro de vie, pute, quoi. Mais vous allez crever un jour. Putain, il y a l'archer. Je veux pas faire l'archer parce qu'il faut que je monte à chaque fois, ça me gave. D'ailleurs, la dernière fois que je suis allé le voir... Et quand je suis hors de portée, le mec... Quand je suis hors de portée, il fait pas. Il fait pas le bon beau combo. Meurs. Sac à merde. Et le pire, c'est que je me souviens même plus du chemin exact. Je sais. Je vais finir, hein. Je vais vraiment finir par les farmer, hein. De toute façon, là, si j'y arrive pas, je vais farmer, hein. Et là, je l'ai touché, alors que. Alors je sais pas comment le chien... voilà, il y a des trucs des fois, je vois même pas comment les chiens peuvent se faire buter, mais ils se font buter. Il sort d'où lui?
c'est pas comme si c'était un passage que j'avais jamais pris en plus. Mais apprends à viser! Oui bah désolé mes oreilles mais les oreilles mais merde. Mon perso s'est pas visé. Et encore une fois un ennemi qui était là mais qui est parti en vacances la première fois que je suis passé. Mais les persos qui savent pas viser aussi. Attends, une cible immobile? Non, non, mais Ah oui! Parce que le bombo combo a une énorme portée en plus, parce qu'il avance énormément. Merci! Merci! Ah bah, ça, le coup de l'huile plus la flamme. Merde. Allez juste vous faire enculer. Allez, hop, c'est bon. J'en ai marre. Ouais, bah, voilà. Ah bah mais non, mais je peux pas les farmer. Rappel, il y a les chevaliers d'aide qui vont venir me péter la gueule. Donc non, c'est pas même pas possible. Non, je peux pas. Je fais comment pour farmer des trucs qui vont avec des meubles qui vont me buter en un coup? Ah bah c'est pas mieux. J'ai une grosse portée. Je te rappelle, ils se font stagger par rien. Mais rien. J'avais une masse dans le... avec deux mains, les mecs ils bougeaient pas. Ah ouais, c'est bien beau d'avoir une bonne portée, mais vu que les mecs ils vont faire des bombos combos, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce qu'ils ont à foutre? Ah là, là je vais avoir des chevaliers. Le truc c'est que j'ai des chevaliers géants et des chevaliers de Aid en même temps. Oh putain! Oh génial! Best gameplay ever! Alors ils sont stagger mais voilà quoi, faut que j'arrive, faut que je puisse pour placer une quoi. Ah, deux chevaliers de Aid. Oh ça va être génial. Je vais kiffer ma race. Je vois même pas la logique du le Dragon Rider est mort, voilà. C'est... Ouais, les Dragon Riders, c'est des trucs au pif. C'est des pifomètres man. Ah oui! Non. Bah non, c'est les mêmes. Elles ont pas bougé les armes des géants. Non, les âmes, non, non. Ils ont toujours donné 8, ils ont toujours donné 800. Ah bah, ah bah. Bon. Alors, c'est pas les épées de toute façon qui me posaient problème, c'était les... Oui, c'est le lancier qui me posait problème. Ça n'empêche pas que je vais pas faire le dragon, hein. Ah oui!
Oui, c'est vrai. Le chevalier géant plus le chevalier Blade, j'avais oublié. Putain, j'ai... J'aime bien, je fais une esquive, le mec il en a rien à foutre. J'ai le droit d'esquiver? Ouais, merci. J'ai même pas le droit de me soigner apparemment. Oh non, me dis pas qu'ils ont fait comme dans Dark Souls et puis meurs. T'as faut vraiment que j'ai une arme géante pour qu'ils bougent les mecs, hein. D'accord. Bah oui, j'ai pas la place pour me barrer. Brutix. De toute façon, je vais pas utiliser des gemmes de vie. Hein. Je vais améliorer mon arme parce que là, ça va pas. Ah non, c'est la force, oui, bah oui. Ah oui, non, mais une fois que j'aurai. Ah, une fois que ça sera des attaques horizontales, bizarrement, ça va pas. Ils vont pas faire la même gueule. Hein. Ah, bizarrement. Ouais, parce que là ça va pas m'être utile. Mais merde quoi! Elle est où la grognasse? Ah ouais, mais je vais jamais y arriver. À 4000 level, ça va être la merde, hein. Et je fais pas les sentinelles, c'est mort. Il faudra revendre leur loot, mais Léon rappelle, et on peut pas vendre. Vendre est interdit dans Dark Souls, avant le 3. Avant le 3. À part Cass qui permettait de. À part Frampt qui permettait de vendre un truc ou deux, mais des trucs précis. Quoique, je sais plus. Oh merde, je m'en fous. La Gavlan. Ah bah oui, mais Gavlan, c'est pas tout de suite, hein. Je préfère. Ouais, non, ça sera plus utile. Je pense que je vais plutôt améliorer mon arme. Pour éviter de me retaper des phases où. Hé! Ça devait one shot, mais ça le one shot pas, lol. Alors. Ah, du moins, à l'origine! Est-ce qu'il y est toujours? Est-ce qu'il est toujours chez les pirates Gavlan? C'est pas si, c'est pas dit ça. Est-ce que j'ai assez Oui, j'ai assez. Voilà, vous avez. Parce que normalement Gavlan, il est avec l'épée l'espadon, mais le truc c'est qu'il était pas là. Non, t'as pas compris. Normalement, Gavlan, il est là où on récupère l'espadon. Dans la même salle. Il était pas là, donc je sais pas où il est. C'est ce que je te dis. Il est plus loin dans la zone. C'est vachement précis quand même, hein. Hein, plus loin dans la zone. Ouais, non, je vois totalement où c'est. Ouais, effectivement, je tourne à gauche, je passe le rond-point, puis ouais, c'est là. Effectivement. Putain, mais. Putain, cette manie qu'ils ont de. Putain, heureusement qu'après, s'ils arrêtent avec ça. Le coup du. Hé! On fait croire qu'il n'y a pas d'ennemis, mais en fait, si! Et puis en plus, là, il fait. On est dans le noir, donc on voit que dalle. D'accord. Précision sur 20. Voilà. Ta mère. C'est lui qui tire.
Attends, le mec, il est allé doucement et ensuite il a tapé un rush avant de me frapper. Ah, tu m'étonnes qu'il soit chiant. Je me soigne pas. Non, j'en ai marre de me soigner là. Ah, vous faites une autre gueule quand je vous joue one shot et à coup sûr. Hein. Pardon? J'ai donné deux niveaux à ce putain d'épée et je les one shot pas tout à coup sûr. Ah, mais génial. Putain, cette zone c'est un cancer quoi. TG. Attends. Faire un truc, est-ce que j'ai des flèches? J'en ai quelques-unes. Putain, les sons des chiens, je les entends très distinctement, ça m'énerve. Je veux. C'est pas une histoire de pouvoir leur faire des dégâts comme ça. Je veux pouvoir attirer les chiens tranquille. Voilà. What? Ah, j'en ai plus. Bon, ça va, j'ai d'autres flèches. Les flèches de feu, je m'en bats les couilles. Ah, c'est quand même pas mal les dégâts que je fais pour une arme que je peux pas porter. Hein. Alors, le wombo combo, ça sera pour dans une autre vie hein, quand même. What? Quand je te dis qu'ils savent pas viser, je suis juste devant lui mais il me voit pas. TG. Ah, je suis pas d'humeur. Je vais peut-être mettre ça parce que c'est peut-être ouais, c'est peut-être plus léger quand même. Alors c'est moins résistant mais je pourrais peut-être mettre tout le set en fait, c'est pour ça. Voilà. Et je pourrais mettre un putain de bouclier aussi.
Oula. Alors, je voudrais juste voir. Ce n'est pas une mimique. Et c'est là ils me font. Eh mais en fait. Ils me font en fait frapper au point, c'est pas assez fort pour réveiller une mimique. Et là je fais quoi? Ah merde! Oula 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 oula. Attends, je suis recouvert d'huile là. Enfin, je crois. Non. J'essaie pourtant exploser sur moi. Enfin, exploser. Par contre, va falloir racheter des. Alors j'imagine que c'est censé être le raccourci, mais v'là le raccourci, merci hein. Oh putain, j'aurais jamais fait mieux. Non, 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 justement. C'est juste que là, je l'ai porté parce que j'ai changé. En fait, quand je... What? Lol. Alors attends, là j'essaye de... Alors, tu te calmes, Roger? TG. Comment je descends déjà? Je sais plus par comment on passe. Alors, j'aurai une pierre de Pharos, je m'en serais servi. Ouais, non, c'est pas une pierre de Pharos, ça. Ah! Faut vraiment que j'aille tout en haut, en fait. Attends, je me souvenais pas de ça. Par contre, mon arme, elle va tenir le coup. Ah, 40 encore, ça va. J'ai parlé du fait que mon perso s'est pas visé. Merci. J'ai kiffé. J'ai kiffé alors que j'ai quasiment plus de gemmes de vie. Aïe. Bah non, justement, les moments où je les one shot pas, c'est quand quand je suis relativement loin, justement. Ils ont de la portée ces sacs à merde quand même. Bon, eux je les two shot. C'est bon à savoir. Nique ta mère, j'ai que ça à te dire. Ah ouais, là ils nous ont mis deux, évidemment. Et en plus c'était un coup à ce que je me fasse buter en un coup, quoi.
Donc. Gemme de vie, un os du retour. C'est pas perdu. C'est ici, je crois. Ah! Ouais, on dirait un bateau fantôme maintenant. Aïe, ça fait mal. Alors pourquoi cette bestiole avait une épée large? Mystère et boule de gogomme. Chiné. Fais gaffe parce que c'est un coup à tomber ça. Hop, par contre lui il tombe. Comme dirait l'adage, c'est là que tu dois tomber. Sac à merde! What? Ça c'est des mecs de Game Plus, non? Alors. Ouais, c'est ce qui me semblait, hein. Alors, on va activer le raccourci en priorité. Je sais, hein, je sais. Si c'est toujours le même, je sais où c'est. C'est juste que je vais activer le raccourci d'abord. Je veux abaisser le pont. Oui, car je connais ce raccourci en fait. Alors, pas que je l'ai déjà fait, mais c'est juste que ça me dit quelque chose dans le quand je l'ai vu dans le Let's Play Yamato. C'est là, oui. Oula. Oula, 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 oula. Non! Tu vas pas me buter maintenant, sac à merde! Il peut pas aller plus loin. Vise quelqu'un d'autre, t'as raison. Tout ça aura été très, très, très laborieux. Mais très. Laborieux. Mais très. Ah non, mais Dark Souls a des problèmes de code, mais putain. Ah, il y a aussi le fait que je suis obligé de la porter à deux mains. Je la porterai à une main, ça serait beaucoup plus simple. Alors, par contre, c'est quel mur? C'est pas celle-là ou c'est celle d'après? Il me semble que c'est une maison de sur la gauche, hein, de toute façon. De toute façon, il n'y en a qu'une. C'est en haut? Là, j'étais convaincu que c'était en bas. Ah, comme quoi?
Non, 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 oh, le ninja. Oh, tu te calmes, le ninja. Ninja not allowed. Oui, mais en pire, c'est qu'elle me dit quelque chose en plus. Avec tout ça, j'aurais récupéré tous leurs sets à tous les coups. Oui, en plus. Et en plus, il est à peine obvious le mur. Hein. Ah! Espadon est à critique. Fragment de titanite. Il est dans quel état mon arme? Ouh, 6, oui, effectivement. Il était temps. Hein. Il était temps qu'on en termine. Hein. Anneau de soldat royal, enfin. D'ailleurs, oui, j'avais pas l'anneau de lame, je suis totalement débile. Ah, mais au moins je peux porter quelque chose sur le cul. Voilà. Au moins je peux avoir une vraie tenue. Alors je vais juste prendre la masse au cas où. Au cas où que j'ai... Ah merde. Au cas où que j'ai une mauvaise rencontre. Mais que mon arme casse. On a activé leur casse. Alors on veut juste aller voir Gavlan. Ça serait utile. Je crois que c'est ici. Oh, et Gavlan! Marchoté. Oui, c'est vrai qu'il sait pas, il parle mal. Parce que je crois que c'est un étranger, je crois. Marche-pied. Alors, il a quoi? C'est quoi ça? Améliore l'équilibre. Non. Alors, les flèches de Gavlan, plus tard. Plus tard. On en aura besoin pour farmer les géants, pour faire les géants. Oui. Alors, juste au cas où, on ouvre la grille, hein. On sait jamais. Tu m'as dit, elle est où la marque de Lucatiel? Je vais pas le faire maintenant parce qu'il faut que je répare mon arme, mais. Et que j'utilise mes ânes, mais. La marque de Lucatiel, elle est où déjà? On l'entend bien boire en plus. Il est toujours là-bas le vieux maître. Le vieux maître des arts anciens. Je vais voir s'il n'y a pas des objets des fois. Non, ils n'ont pas rajouté des objets. Dans le doute. Non. Bon. Je me serais attendu une connerie, mais non. Ah, mais putain. Même la première fois que j'avais fait la zone, j'avais pas galéré, mais là, le wombo, c'est surtout le, ouais, c'est vraiment le wombo combo là. Je pense qu'on va faire la sentinelle inflexible et qu'on va s'arrêter là. Alors la question c'est où est donc la marque de Lucatiel?
Je vois un truc. Ouais, c'est ça, c'est sans doute. Allez, vu que j'ai un grand fragment de titanite, je vais pas me gêner. De quoi le boss ça passe? Je t'ai demandé où était la marque de Lucatiel. Du coup, vu que j'ai été au feu, mon arme est réparée. Ah bah attends, oui, je vais pouvoir virer ça. C'est ça qui me faisait. D'accord, oui, voilà. Je m'en souvenais plus justement parce que avec tout ça. Est-ce que y a pas un casque qui est mieux? Alors oui, mais un peu lourd. Ah quoique, non, pas tant que ça. Alors c'est un peu moche par contre. Oui, non, mais de bas, oui. Oui, non, mais je sais, je suis pas con. Je sais qu'elle est pas là normalement. C'est pour ça que je te pose la question. Je sais où elle est normalement. Et c'était vraiment la purge à aller chercher à chaque fois. J'aime bien, il te propose de donner le fragment même si tu n'en as pas. On va monter à 23 de force. La priorité, ouais, c'est de pouvoir la porter à une main. Comme ça, on pourra bloquer et frapper. Bon, on y retourne. Ah. J'aurais peut-être dû racheter des gemmes de vie. Y a pas de trophée qui demande d'utiliser les âmes de boss d'une façon ou d'une autre? Ah, c'était sympa. LOL. Il fait quoi le mob? Il mongolise? Oui, voilà, il y a des sorts quand même, donc on va les garder, on va toutes les garder jusqu'à la fin et on verra. Tombe, plonge. Sacré plongeon, hein. Je vérifie qu'il y a personne qui me course. Je m'occupe des mobs qu'il y a sur le chemin, hein. Parce que je sais pas s'ils ont réglé. Je crois qu'ils ont toujours pas réglé l'IA de Lucatiel. Bon, apparemment c'est bon. Bah, effectivement. La marque est là. Lucatiel de Myra! En avant! Marche! Ah non, merde, c'est pas la bonne musique. Allons-y, let's go! Da 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 da. Mongolise pas, s'il te plaît. Sinon, ça va vraiment faire chier. Meurs. On va éviter qu'elle se prenne des dégâts parce que bon, étant donné que je dois le faire survivre. C'est quoi ce truc? Elle l'aggro la mongolo, hein. Bon, ça va, elle a quasiment rien perdu, mais quand même.
C'est où la suite déjà? Ah, c'est la porte. Je vais prendre la porte. Alors. Oui. Bah alors, tu me diras, c'est logique. C'est juste que je ne me souviens plus de sa gueule. Alors, il me semble qu'il faut pas que j'oublie de prendre certains trucs. Alors, je vais. Non, ah, c'est bon. J'attends qu'elle soit à côté de moi parce qu'elle serait capable de. Voilà. Aïe! Bon, ça va, elle se prend quasiment rien, Lucatiel. Elle tank bien hein, sur le boss. Hein. Je veux bien que ce soit pas un boss ultra balèze, mais quand même. Ah! Ouh, putain, j'ai failli me le prendre! Oula, c'est pas passé loin. Non, oui, non, mais en mourir surtout. J'ai failli en mourir surtout. C'était ça dans l'idée. Oui, parce que oui, bien sûr que je l'ai pris. Hein. Non, je vais être sûr, même. Flamme de pyromancie et boule de feu. Bon. C'est trois boss qu'il faut l'invoquer, je crois, Lucatiel. Hein. Faut que je parle à Bernard, j'ai complètement oublié d'aller lui parler. Ding dong, motherfucker! La sentinelle, la pêcheresse, le smelter démon et ou le rotten. Et où le rotten? C'est vrai que c'est très le bateau de DMC1. Et le smelter démon aussi. On peut l'invoquer sur le smelter démon. Lord, t'arrives à la fin. C'est dommage. T'as raté une bonne session de sel. Ouais, ben. Bah, on arrive pas là normalement. Non, si, non, si, 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 si. Quoique. Attends, il y aura peut-être du sel encore là, mais normalement, j'arrête là. Ouais, non. Mais. Ah ouais, non, il y a eu du sel, hein. Sur une zone que je maîtrise, en plus, et que c'était même pas le problème du changement de mob, c'est vraiment, j'ai ragé sur le code du jeu, plutôt. Bon, il y a aussi le fait que je peux pas porter mon arme à une main, mais ça, c'est une autre histoire. Ah tiens, j'ai vu un objet. Bon, au moins maintenant, on va avancer. Y a rien ici. Y a pas une porte cachée, quelque chose? Ah si, y a ça. Fruit commun? C'est quoi ça?
C'est quoi ça, fruit commun? Ah, c'est ça, d'accord. C'est le truc qui renforce les stats temporairement. Alors, là, il y a le feu. Je vais aller faire mes âmes, je vais aller parler à Bernard parce que oui, j'ai complètement oublié qu'il fallait lui parler la première fois là-bas. Pourquoi j'ai pas de mes bottes? Ah non, si, d'accord, c'est juste que de Bodo, on dirait que c'est juste mes pieds séchés. Ah, il manque un level. Il manque un point de force pour que je puisse la porter à une main. Il me manque combien? Il faudrait que j'aie 4115. Alors attends, avec les âmes que j'ai. Ah oui, ça va se faire, ça va se faire. Oui, parce que je crois que... Alors, oui et non, parce qu'en fait, je crois que tu peux la ramener. Il me semble que tu peux le ramener, mais ça te coûte des âmes ou un truc dans le genre. Plus tard. Mais c'est un peu plus tard, je crois. Mais elle peut complètement mourir, ce qui n'est pas le cas dans le 3. Voilà. Après, on pourra monter la vie, l'endu ou la vigueur. Bah, tous les souls ont été faits au niveau 1, hein. Oui, complètement. Alors c'est dur, mais c'est apparemment c'est complètement faisable. Hein. Il y a des runs prévus pour ça et tout. Il y a des speedruns de SL1, enfin voilà, c'est un genre de choses. J'ai pas le cartographe. Je suis pas allé chercher le cartographe. Bon, on verra ça une prochaine fois. Bon, bah je merci à Léon et à d'autres d'être passés. Et puis bah je vous dis à une prochaine fois. Allez, salut. Alors je suis crevé.